Ben, chaque réveillon la veille, c'est une préparation, une grosse préparation, puisque ben, on prépare les pétards déjà pour cette nuit. De l'autre part, il y a la cuisine qui se fait, et bon, on fait un petit rassemblement familial, et puis tout se passe bien, quoi, en fait. Hein. Et donc là, on prépare les fameux rouleaux de pétards pour ce soir. Donc là, il y aura plus d'une centaine de mètres de rouleaux de pétards qui éclateront logiquement à minuit. Auparavant, je sais que ça se faisait au village chinois, mais depuis, plus rien. Donc ouais, je pense que ce paddock, on est les derniers à le faire. Et voilà, donc mis à part les rouleaux de pétards, il y aura aussi les feux d'artifice. Et donc voilà, ça se passera bien. Cette partie-là, c'est celle qui va aller en haut, quoi, en fait. En haut, oui. C'est le dernier boom, quoi. C'est le dernier boom. C'est un budget, il faut compter 1000 euros minimum. Et qui c'est qui participe au financement de tout cela? C'est tout le monde. C'est la famille, les amis, voilà, c'est tout le monde. Toute personne qui souhaiterait participer avec nous, et ils sont les bienvenus. Donc voilà, donc il y a la famille, il y a les gens du village, il y a des amis. Donc financièrement, c'est un peu tout le monde, voilà. 5 euros, 10 euros, 20 euros, voilà. Et au final, ben, on arrive à ce résultat-là. Et c'est très bien pour fêter la nouvelle année qui arrive. Donc on prépare aussi ça pour que les gens puissent, demain matin, bon, il faut que ça soit les gens qui sont fatigués, ils sont fatigués, donc ils viennent, ben bon, on lui offre une soupe comme ça, voilà, pour que les gens soient en forme après, hein, de toute façon, parce qu'on est fatigué, une nuit blanche, c'est pas facile à gérer après. Donc on prépare aussi ça pour que les gens puissent, demain matin, bon, il faut que ça soit les gens qui sont fatigués, ils sont fatigués, donc ils viennent, ben bon, on lui offre une soupe comme ça. La soupe. Et c'est parti, mon coco.